30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! Astrala, dans 15 jours, vous déposez le bilan. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux savoir ce que vous faites là? Je suis la nouvelle directrice de cet établissement. J'ai appris que vous étiez en difficulté, j'ai eu envie de faire un geste. Tu savais que c'était lui? Ici, on fait de la cuisine. On travaille des produits, des plats. On se connaît? J'ai rendez-vous avec le chef. C'est risqué. Ah, mais c'est ça qui est beau. Quoi, tu me dis que tu mérites pas, c'est ça? J'ai rien fait. Apprends à regarder d'abord. Pour finir comme vous, là. Un vieux mec seul qui dort dans sa cuisine. C'est un truc que j'aurais jamais moi, voilà. Même si je bosse comme une conne jour et nuit. C'est un vrai pro, un super technicien. Il sait tout faire. Je sais ce que je dis, c'est moi qui lui ai appris. Bah, il a de la chance, lui. Sur moi que tu me caches plus rien. Tu viens de dire un truc, non, merde. La première seconde où t'as débarqué, toi, j'ai su que t'avais fait de la tôle. Ah ouais? Ouais. On a des choses à se dire, vous ne croyez pas? Surtout vous, d'ailleurs. Faut savoir faire confiance. C'est comme ça qu'on grandit. Je peux choisir un truc une fois dans ma vie. Qu'est-ce que tu fous, là? Pas besoin de vous, moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, petit chef? Que vas-tu choisir?